Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit let's play sur un jeu sur mobile. Donc cacher mon jeu par maman 2, donc ça veut dire qu'il y en a déjà eu un. Je ne savais pas. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti. Hop, jour 1. Jour 1. Avec, donc il nous explique qu'il faut trouver le jeu, voilà on clique. On a des items, d'accord. Et on peut bouger sur la pièce, d'accord, bon. Alors, où te caches-tu? Ah, oui! Bon, ça va, premier niveau, il était facile. Oh, un escabeau. D'accord. Donc là, il y a la mer, je pense pas qu'il faut le faire. Escabeau, du coup... Ok, donc là, on va prendre l'escabeau. Et on va aller choper la console, voilà. Jour 2. D'accord. Jour 3, ouais. Alors là, on a un casque de réalité virtuelle. Wouh, fou le bordel. Ok, là, y a rien. Donc là, on va mettre le casque de réalité virtuelle sur, les yeux de la mer. Voilà, comme ça, il voit rien. Et puis nous, hop, on chope la console. Hop. Jour 4. Ok. Alors. D'accord. Ensuite. Oh là, là, il y a la mère qui est derrière le placard. Là, moi, j'y vais pas. Hein. Hop. Casser la tirelire. Ok. Hop, on hypnotise le vieux. Allez, fais dodo, le vieux. Je vais récupérer ma console. Bisous, papa. Envoie des messages. Hop, sous le coussin. Voilà. D'accord. Jour 5. Voilà. Les footballeurs. Les footballeurs. Oh, une mouche. D'accord. On va lui faire peur. Le ballon, c'est un piège. Hein. Le ballon, c'est un piège, faut surtout pas y toucher. Parce que sinon, la mère, elle vous fout une fessée déculottée. Pourquoi, je sais pas d'ailleurs. Alors, il y a quoi dans le frigo? Ok. On va récupérer tout ça. Alors, ça, je me suis fait avoir. Voilà. Moi, je vais récupérer les baguettes. Ah, bah non, mince. J'ai récupéré trop de trucs. Ah, zut. Ah, zut. J'ai récupéré trop de nouilles, du coup mon inventaire est plein. Je me fais avoir, donc je suis obligée de perdre là. Donc voilà, si on récupère pas les baguettes, vous voyez ce que ça va faire. Le grand-père il se renverse les nouilles sur lui et puis il gueule du coup. Voilà. Il est pas content. Donc du coup, on va récupérer les baguettes d'abord. Voilà. Les petites nouilles. Hop, on donne les baguettes à papy. On va manger des nouilles. Oui, oh, des nounouilles. Allez, mange. Allez, mange encore. Voilà. Hop. Encore un. Allez, vas-y. Oh, il a faim. Non mais la tronche du grand-père, quoi. Hop. Sous le coussin. Sous le coussin. Ok, jour 7. Oh, ce jeu peut faire aussi let's play et en même temps... Ah, Bubble Witch 3. C'est bien, j'adore les notifications. Bubble Witch 3, d'ailleurs, j'ai bien avancé. Je disais que le let's play, je peux le faire aussi en solus. Pour ceux qui sont bloqués dans le jeu, ça peut être pas mal. Donc du coup, là, on a des petits gens qui cherchent peut-être des Pokémon sur Pokémon Go, je ne sais pas. On va dire que oui. Et le but, c'est de les attirer ailleurs. Donc on va prendre le petit point de géolocalisation qui est ici. Puis hop. Voilà. On les attire là, du coup ils restent là, et nous en attendant on peut aller au placard chercher notre console. Oui! Jour 8. Ok, alors, là il faut récupérer la batte. Utiliser sous le canapé pour récupérer la console, et voilà! Jour 9.
récupérer la mouque. La mouque. Ça c'est normal, on dit la mouque. Récupérer la mouque. Faut faire quoi déjà, je sais plus. Ah oui, faut récupérer. Ah oui, c'est vicieux, fallait récupérer la bulle de la maman, le mettre ici. Et du coup, on peut accéder à la console, parce que sinon vous tombez dans un trou, donc c'est pas terrible. Ok, ensuite. Jour 10. On récupère le balai. Donc y a rien sous le canapé. Hein. C'est les cheveux de votre mère. Donc, qu'est-ce qu'elle fout sous le canapé d'ailleurs? Voilà. Là dans le placard on croirait que c'est la mère, mais en fait non. Regardez, hop. Quick. Et hop, et voilà. Et ouais. Et quand on connaît la solution après, mais c'est tellement simple. Voilà le truc. On a des cartes dans la maison, quoi. Des kartings. Les gens font du karting. Hop, petits items. Faut surtout pas cliquer sur le du milieu. Hein. On voit bien que la maman est dessus. On met la banane. Ouais, on la récupère. Hop, on ouvre le placard. Et allez, what? Je vais jouer à Nintendogs. À Nintendogs, quoi. Le jeu, quoi, le truc... Il me semble que c'est l'un des premiers jeux sur Nintendo DS. C'est moi quand je l'ai eu, la mienne. C'était l'une des toutes premières, des tout premiers jeux, il me semble, de mémoire. Ouais! Donc là, vous voyez, faut mettre la banane dans l'assiette. Vous allez dans la fenêtre suivante. Et là, il y a un singe qui va arriver à récupérer la banane, mais il faut cliquer tout de suite sur la console, sinon il se barre. Et on n'a que 3 essais, hein, donc. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc là, on a le masque. Ok. Ah oui, c'est vrai. On va récupérer le petit vaisseau spatial. Et on va soulever le grand-père avec. Ah! Voilà. On va soulever le grand-père avec. Parce que, comme d'habitude, hein, la console... Focus! Focus. Merci. Et du coup, la console, elle se trouve toujours sur le coussin. Oui! Jour 14. Alors, ce niveau-là. Ouais! Il faut être le premier de la course. Pourquoi? Bon, dans les vases, il n'y a absolument rien. Sauf dans le dernier, là, il y a un serpent. Pour être premier du podium, du coup, et récupérer, être assez haut pour récupérer la console. C'est assez tordu, quand même, hein, comme jeu. Hein. C'est très tordu. Hein. Jour 15, d'accord. Placard. Ah oui. Donc là, on a une lampe torche. On éteint la lumière. Et là, faut aller doucement. Dès qu'on voit des pieds, c'est que c'est pas bon. Donc là, c'est le pied du grand-père. Hop. Voilà. Et la console, elle se trouve à côté du canapé. Hop. Jour 16. Alors... là on a un portefeuille, mais faut surtout pas y toucher, sinon vous faites arrêter par des flics. Il y a des flics qui sortent du canapé qui vous arrêtent. Vous me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Dans le deuxième on a un appareil photo. Voilà. On prend en photo sa petite sœur jusqu'à qu'elle s'écarte du bureau. Donc hop, voilà, ici. On appuie sur le tiroir et la console est dedans. Voilà. C'est tellement simple, mais à la fois compliqué, parce que quand on l'a pas fait, jamais fait, on cherche longtemps. Hop. Ensuite, jour 17. Donc là, on a une poubelle avec des boulettes de papier, un canapé, la maman qui passe l'aspirateur, et la console. Faut surtout pas la prendre parce que là, on s'est grillé. Donc le but, c'est de récupérer les petites boulettes de papier, comme ceci. Voilà. Et de faire le petit poussé avec, pour emmener la maman dans l'autre pièce, en fait. Voilà. Et hop, on récupère la console. Comme ça, elle ne nous voit pas. Hop, voilà. Ensuite. Donc là, la console était normalement au milieu. Cherchez pas à suivre où c'est. Donc en fait, il est derrière le lampadaire. C'est tordu. Hein. Il est derrière le lampadaire. Bah, sous le lampadaire, pardon. Ok, donc là, on a un Tetris. Et le but... c'est de faire comme un Tetris, en fait. Faut faire des lignes, faut éliminer les lignes pour récupérer la console. Donc on prend par exemple le plat, bah le plat, le forme de I là. Hop,
Là, on enlève déjà deux lignes et on voit qu'on commence à voir un petit bout de console là. Il faudra éliminer encore une ligne pour que ça marche. Donc je vais prendre celui-là. Hop, et voilà. Et ça libère la console. Voilà. C'est un jeu assez sympa hein, quand même. Hein. C'est un peu what the fuck, mais c'est japonais hein, d'un côté, à la base. Mais c'est quand même pas mal. Ça fait réfléchir. Donc là, avec la balle, en fait, on doit pas demander au batteur de la balancer, mais de la louper, justement, de la mettre sur le côté. Hop, comme ça, il la récupère. Et pour ceux qui le savent pas, là, parce que là, je fais du premier coup, et pour ceux qui ont déjà joué, en fait, celle qui récupère la balle, en fait, c'est votre mère qui est derrière. C'est votre maman. Si vous cliquez dessus, c'est game over. Jour 21, déjà ? Oh là ! Alors ça, ah oui, alors... J'ai cherché comme une débile la dernière fois, je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas du tout pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez la console là? Alors je sais pas si vous allez le voir parce que c'est un bleu ciel le mur. Il y a une sorte de ficelle, un trait blanc là qui va jusqu'au plafond. Désolé, il y a le focus qui se fait pas aujourd'hui. Focus! Merci. Du coup, il y a une petite ficelle blanche et du coup, faut la couper. Et pour ça... On utilise le bouton pour aller la pièce à côté, récupérer le petit crabe, donc tu vois, il n'y a rien. Et il s'est barré, je me suis gourée. Voilà, donc je peux recommencer. Faut le choper tout de suite, hein. Je pensais que... Alors, on ouvre le placard. Le petit item, hop, pour passer. Hop, on récupère le crabe, et avec ça, on va... Hop, il va couper la ficelle. Voilà, et du coup, on récupère la console. Ok, jour 22. Donc là, on a à manger et concombre. Ok. Donc là, le but, c'est de faire comme les vidéos qui est super connue, là. Elle est super populaire. En fait, il faut faire peur au chat avec le concombre derrière lui. Donc on lui donne à manger. Et on va lui mettre le concombre derrière lui. Comme ça, il va avoir peur. Il va dégager de son coussin. Et hop, on récupère la console. Voilà. Tout simplement. Ok, jour 23. Donc là, c'est un poisson lanterne. Ça, c'est les machins, là. J'ai perdu le nom. Ah, on récupère le petit poisson. Là, il n'y a rien. Après, c'est des serpents. On prend Nemo. Et on le fout là-dedans. On prend Nemo. C'est pas Nemo, c'est un poisson clown, on dit déjà. Et voilà, jour 23. Ça va beaucoup plus vite, disons, quand on l'a fait une fois. C'est impressionnant. Ok, donc, faut pas ouvrir ce rideau-là, parce que forcément, il y a votre mère derrière. On ouvre l'autre carreau. On récupère la serviette, les deux petites barres, voilà. En fait, la serviette, je crois qu'elle nous sert à rien. Voilà. Hop, il fait le funambule, on ouvre le placard et il y a la console, et voilà. Si vous prenez la serviette, en fait, il va la mettre sur son dos, il va faire, il va voler, en fait, pour se croûter dans le trou, en fait. Jour 25. Donc là, je sais pas qui c'est d'ailleurs, va nous donner des baguettes. C'est des baguettes de sourcil en fait. Et avec, on doit... Voilà, on doit aller par là, ça s'écarte, donc ça veut dire qu'il est là. On les lâche, et du coup, hop, la console est dans le mur. J'aurais jamais speedé autant un jeu, hein, je... Ok, ensuite... Oh, je sais plus dans le sens que c'était. Donc là, c'est une scène assez célèbre. Hop, on va récupérer les chanteurs. Hop. Alors, de mémoire, le gris était là, le bleu, pardon, était là, le gris était là, oui, c'est bon, je m'en souviens. Là, monsieur à la barbe, il était là, et voilà. Parce que sinon, c'est pas bon, faut le mettre dans le bon ordre. Hop, on récupère la console, ça c'est bon. Niveau 26 terminé, donc le niveau 27. Ah oui, alors ce truc. Donc, faut que je récupère le crabe. Oui, j'ai besoin de récupérer deux choses. Non! Fallait que je tombe sur les deux mamans, quoi. Donc c'est un memory, en fait. Le but, c'est de récupérer... 2-1 la console et... un crabe. Le crabe, alors on en a un là. Voilà, donc le crabe, il est là. Il va nous servir à couper la ficelle, pareil, pour récupérer la console. Hop. Donc là, on cherche la console.
Alors, elle est où? Non. Non. Non! Bordel, je fais la même erreur que tout à l'heure, quoi, sérieusement! Oh là 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 là, catastrophe! Puis la pub là, sympa! Allez, dégage! Oh! Ah, voilà. Allez, on recommence! Donc, le petit crabe qui est là. Ah, ça va, c'est dans le même sens. Bon, elle est où la console, bordel? Elle est là. Hop, on laisse descendre la console du plafond. Et on voit qu'il y a une sorte de petite ficelle. C'est très léger, hein, mais on voit une sorte de ficelle accrochée à la Nintendo DS, là. Et j'ai oublié de prendre mon crabe. Donc on recommence. Ça marchera pas. Il faut les deux, sinon ça ne fonctionne absolument pas. Ah, oh, puis là, ils ont rechargé le sens. Ah, génial. Hop. Ah, le crabe. Allez, donne-moi le crabe, dépêche-toi. Parce que je cause et puis du coup, je regarde pas où est le crabe. La console, non. Hop, du coup, la console du R descend. Allez, dépêche-toi. Voilà. Hop, avec le crabe, on coupe la ficelle. Et comme ça, on peut récupérer la console. Parce que sinon, la mère, elle tire une canne à pêche qu'au bout et puis elle vous chope comme ça, en fait. Jour 28. Fais le focus. Dépêche-toi. Merci. T'as du mal aujourd'hui, hein. Il y a peut-être la batterie qui est faible. Voilà. Donc, je sais plus ce qu'il faut faire. Ah oui, alors celui-là, il est bâtard comme niveau. Faut prendre l'escabeau, poser ici, appuyer sur le petit menu, là, en haut, le rond et les trois traits, là. Voilà, il va choper le rond. Ne demandez pas pourquoi, c'est complètement what the fuck. Et on va choper la DS avec. Voilà, vous la mettez sur la DS. Ouais! C'est tordu, quand même. Jour 29. Donc là, il faut récupérer des pièces pour faire de l'escalade. Donc il y en a 5. Donc il y en a un sur le coussin aussi. Il y en a un dans le vase. Et là, on ouvre et qu'est-ce qu'on voit? Une girafe. Et il y a une pièce dessus, là, hop, sur le cou, qui fait partie des tâches. Donc là, j'ai l'inventaire qui est plein, c'est normal. Donc là, on récupère ça. Mais il faut faire gaffe parce que quand le garçon va vouloir redescendre, il va se casser la gueule tellement que c'est haut. Donc il faut récupérer le coussin qui est là et le mettre au sol. Voilà. Et comme ça, on récupère la console. Sans qu'il se casse les deux jambes. C'est mieux quand même. Voilà. Jour 30. Dernier jour du jeu. Alors. Ah bah non, c'est vrai. Donc là, c'est la cinématique de fin. On a déjà fini le jeu. Je crois que j'ai jamais fini le jeu aussi vite. Donc là, on va ouvrir. Donc là, on voit que la console, elle est vieille. Hein, la serviette est servie, elle en peut plus. Hop, là, on a un escabeau. Là, on va pas ouvrir à gauche du rideau parce qu'on sait bien qu'il y a un adulte. Là, on trouve un gamepad de Wii U. Ça se voit que c'est bien japonais. Hein. On met l'escabeau et on appuie sur la nouvelle console. Là, on voit que c'est une petite fille, hein, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est juste pour annoncer qu'en fait ils vont faire la suite du jeu après. Donc ce sera avec le père et la fille. Et là, regardez les chaînes ! Oui, j'ai fini le jeu ! Wouh ! Donc j'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous voulez d'autres let's play et aussi qui sort aussi de Solus par la même occasion. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, me suivre sur Twitter. Et voilà. Je vous fais de gros bisous les petits loups. Ciao ciao !